col Saint-Victor. Parle-moi de toi quelques mots. Tout le monde me connaît. Ça veut dire quel est mon nom? Je suis né à Port-au-Prince. Et mon papa est Gaston Saint-Victor. Ma maman, c'est Jeanne Barreau. Nous avons une famille très longue. J'ai grandi avec eux à la rue Elbéane. Et j'avais comme voisine Madame Valérie Canez, et que je l'entendais toujours faire des vocalises. Et ma maman me disait, il ne faut pas l'imiter. J'ai dit, non, je ne l'imite pas. J'entends seulement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Très, très jeune, j'ai commencé à vocaliser, à faire des ha-ha-ha. Et puis, mes parents se sont intéressés à ça. Alors, c'est comme ça que la musique a commencé avec moi. Et j'ai commencé, bien sûr, à pianoter. Et puis... à faire des vocalises. Alors, et comment bien tes parents ne voulaient pas trop que tu prennes cette direction? Bon, pas vraiment. Ils aimaient la musique, et c'est pas là le problème. Au contraire, ils m'ont même encouragé. Ils ont été acheter un piano pour moi, pour que je puisse prendre un petit peu le chemin de la musique. Et je dois dire que pour moi, la musique est tellement une passion que c'était pas tellement difficile à continuer à travailler énormément. Et c'est ainsi que à l'école, j'essayais toujours de me mettre en avant pour que la religieuse puisse m'entendre, pour que je puisse chanter à la messe et tout ça. Et je me suis promenée dans toutes les chorales à Saint-Louis-Turgeot, partout, à la cathédrale. Je chantais tout le temps. Et c'était vraiment une vraie passion. Et puis, à ce moment... Mais est-ce que la musique était enseignée à l'école? Non, à ce moment-là, j'entendais beaucoup de musique chez moi. Donc, j'avais bien sûr des modèles comme John Sutherland à l'époque, Maria Callas, toutes ces grandes chanteuses, sans oublier les hommes, parce que j'aimais bien les voix d'hommes. Donc... on parle toujours de chant classique. Oui, le chant classique, parce que moi, vraiment, je n'ai jamais vraiment, ça ne m'a jamais... Je fredonnais les petites chansonnettes françaises, des choses, mais ça ne m'a vraiment pas attiré. Tu vois, j'avais comme... Tu l'entendais à la maison, c'est-à-dire que vous aviez... C'est toujours de la musique classique que je chantais. Et puis... C'était des disques, c'était un phonogramme, des disques. Oui, avec des disques que j'écoutais, et puis... À un certain moment, j'ai commencé à commander des partitions. Et puis, quand j'ai eu fini mes études, je suis partie au Canada pour apprendre l'anglais. Et là, j'ai fait vraiment mes premières leçons de chant. OK. On était à quelle époque? Oui, là, c'était Focus. C'était en 1957-58. Donc, au Canada. J'étais au Canada, j'ai fait 9 mois pour apprendre l'anglais, mais je faisais aussi le cours de chant. Le chant privé. Non, avec la religieuse dans le collège où j'étais. Oui, et là, à la fin de l'année, j'ai participé au concert final des élèves. Et je suis retournée ici, tout de suite, je me suis canalisée chez Mme May et j'ai commencé à chanter avec tous les autres élèves. Et au bout de 3 mois, elle m'a dit, oh, mais tu as beaucoup de talent, on doit faire quelque chose pour toi. Et à ce moment-là, je lui ai dit, on essaie. Et c'est ainsi qu'après 3 mois de leçons avec Mme May, puisque j'avais déjà un début du Canada, et alors elle a décidé d'inviter, dans les auditions qu'elle faisait, elle a invité à l'époque l'ambassadeur, le Génicel, l'ambassadeur français, Et il a dit qu'il faudrait vraiment, avec le talent que j'ai, qu'il faudrait que j'aille me perfectionner, enfin, aller en France me perfectionner. C'était... Je vois qu'en même temps que tu travailles avec Mme May j'avais, pour se faire, oui, au contraire, j'avais même commencé à faire le solfège avec Mme Carmen Boire avant, parce qu'elle habitait au Bois-Vernat, donc je faisais du solfège, et était très sévère, mais je dois dire...
que la c'est Carmen que nous à connaissons. Carmen que nous connaissons. Et vraiment, pour moi, c'était un grand souvenir de faire les cours de musique avec tous ces grands, grands, grands noms d'Haïti. Et quand je suis, quand j'ai, Madame May m'a dit, bon, voilà, on a donné la bourse. Et j'ai fait des concerts ici avec les élèves de Madame May à l'Institut français, au Rex Théâtre, avant de partir. Et c'est ainsi qu'en 1964. Mais avant, je voulais te poser une question. Uh-huh. Je remarque dans ce copieux curriculum que tu m'as soumis uh-huh. que tu avais des cours de mécanique vocale et biologie et méthode. Oui. Avec, c'était une méthode, ça c'est mon oncle, M. Duplessis, uh-huh. qui avait commandé ça pour moi et je suivais. Bon, ce cours-là, c'est biologique, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est en rapport avec la voix. D'abord, vous savez que la voix, c'est un instrument, mais nous devons penser que la base même de la voix, c'est le souffle. Et c'est là surtout. Je sais que cette méthode m'a vraiment donné beaucoup d'expérience, beaucoup d'énergie. Donc, n'est pas le chanteur qui veut, d'après. Pardon? Oui, il y avait des vocalises, mais c'est surtout. Je veux dire, n'est pas chanteur qui veut. Non, il n'y a pas. Non. Le chant, ce n'est pas une chose. On pense, d'ailleurs, tout le monde devrait chanter. Tu vois? Et bon, nous avons deux fonctions à faire avec notre voix. Nous parlons et nous chantons. Qu'est-ce qu'on a fait avant? On a parlé, on a chanté. On ne sait pas. Bon, de toute façon, l'essentiel, c'est qu'avec la voix, on peut faire beaucoup de choses, mais nous avons ce qu'on appelle la technique vocale. Cette technique-là, des fois, qui nous joue un très mauvais rôle si on n'est pas préparé. C'est pour cela, je dis toujours à mes élèves, la chose principale, c'est le souffle d'abord. Parce que c'est avec le souffle qu'on fait vibrer le son, pour faire justement vibrer les sons. Et c'est ainsi que nous avons un souffle qui nous permet... avec nos efforts et notre volonté de bien faire, justement, avec écouter ce que nous faisons, avec tout ce que nous avons autour de nous. Nous avons les partitions, nous avons tout pour perfectionner notre voix. Et c'est pour cela que j'ai dit, mais la voix est un instrument comme un instrument, comme le violoncelle, comme le violon et la trompette. Mais bon, ça, il y a la technique de la voix qui, des fois, joue des mauvais rôles parce qu'on prend de mauvaises habitudes, on respire mal, parce qu'en respirant mal, on peut avaler n'importe quoi alors que ce n'est pas nécessaire. Il ne faut pas, surtout pas respirer tout le temps avec la bouche, il faut respirer avec le nez correctement parce que sinon, on se sent mal à l'aise. Donc, on a des phrases musicales à faire qui sont assez longues. Et bon, on peut respirer, bien sûr. Mais en général, si vous remarquez, il y a des gens qui respirent n'importe où dans un morceau. On dit le laboureur, et puis tu vois que la personne en chantant te dit labour, et puis respire, et puis fait erreur. Tu vois? Donc, c'est aussi un travail... très personnel, parce que ça dépend de ce que nous devons et ce que nous voulons faire. Et ensuite, nous avons l'interprétation, on a le mouvement, on a l'époque, parce qu'on ne peut pas chanter le baroque comme on chante le moderne. C'est pas du tout, d'ailleurs, c'est ce qui est important. Et donc, on a une sorte de culture générale que nous devons avoir pour pouvoir posséder tout ce que nous pouvons faire avec notre voix. Alors, tout ça, tu l'as appris de tes longues années d'études. De les longues années d'études que j'ai faites. Tu pars en 64 et tu fais le conservatoire. C'est une bourse? Oui. Non, ce n'est pas l'État haïtien. C'est une bourse que j'ai eue de l'Institut français d'Haïti, de l'ambassade de France. Et à cette époque, l'État soutenait les... Bon, il y a des étudiants musiciens, je parle pas pour le chant, parce que il y a plusieurs qui sont partis par les bourses de l'État. Je ne peux pas vous les nommer, mais parce que je ne sais pas qui est-ce qui avait bourse de l'État ou bien
des ambassades. Mais ce qui est important, moi, je parle de ce que j'ai eu moi-même. Je suis partie avec une bourse française et j'ai été directement guidée par des amis de Madame May, justement, au conservatoire. Elle avait un neveu qui faisait de la musique populaire, la musique des chansons populaires françaises. Est-ce que la technique est différente, chanson, musique populaire, musique classique, ou bien il y a une seule base? Bon, la base est peut-être, elle change un petit peu, parce que ce que tu as besoin pour chanter de l'opéra n'est pas pareil à ce que tu dois avoir pour la musique populaire. La musique populaire, c'est que ce qui compte surtout, et je crois que c'est dans tous les pays, mais je parle de la France là, il faut la diction, tu vois, il faut la tenue, il y a tout, mais ça fait partie aussi de la musique classique. Mais la musique classique, il y a un effort qui est plus grand au point de vue technique vocale. Tu Maintenant, vois. après la France, Après la France, j'ai tu fait 4 ans au conservatoire en allais. France. J'ai appris énormément. Et après 4 ans en France, j'ai été en Italie, à Rome, à l'Académie Sainte-Cécile pour faire un cours de perfectionnement, surtout un cours d'interprétation. Et je dois dire que j'ai gardé des souvenirs extraordinaires de tous mes professeurs, qu'ils soient français ou italiens. Pour moi, ce sont des grands maîtres qui m'ont donné. Et chaque fois, je donne mes leçons, je dis attention, mon professeur me disait telle chose. Mon professeur me disait telle chose. Et ça, c'est en fait tout le temps que j'ai passé en Europe. J'ai été, d'ailleurs, je suis partie en Italie pour faire 5 mois. J'ai fait 8 ans, bien sûr. Et j'ai pas Comment dirais-je, j'ai fait le conservatoire aussi, le cours d'interprétation, mais pendant ce temps-là, je chantais. J'ai fait beaucoup de festivals musicaux, presque dans, disons, pas toute l'Europe, mais j'ai été en Hollande, j'étais en Belgique, tout ça pour faire partie des festivals, Ça te des permettait de jeunes. gagner ta vie, tu gagnais de l'argent avec ça, tu pouvais. Bon, c'est pas vraiment gagner de l'argent, c'était toujours. Oui, on peut gagner de l'argent dans ce festival, dans ces festivals-là. Et c'est pour ça, ce sont des choses très bien organisées. On te fait faire, comme tu es étudiante, on te fait faire des économies par exemple, sur les hôtels. Tu vois, on te loge chez des familles. Donc, moi, ça me plaisait énormément d'aller, de connaître. De vivre, par exemple, 5, 6, 10 jours, 12 jours chez une famille hollandaise. Mais avec le formulaire que vous présentez, on sait, tu parles plusieurs langues, donc on peut te mettre dans une famille qui parle anglais ou bien français. Moi, italien, ça dépend. Et nul doute que ça a élargi aussi la culture, Oui, quoi. moi je trouve que aller chez une famille était pour moi un apport parce que justement je pouvais constater comment ces gens-là vivent, qu'est-ce qu'ils font autour d'eux, qu'est-ce qu'ils ont comme vision, etc. Et moi, il y a aussi le fait qu'à l'école, dès le conservatoire que j'ai eu à fréquenter, et que ce soit française ou italienne, j'ai pu avoir contact avec beaucoup d'étrangers. Ce sont deux conservatoires qui sont très, très internationaux. Ça veut dire, j'ai rencontré des Chinois, des Japonais, des Canadiens, des Hollandais, des Cosmopolite. Polonais, toutes sortes de nationalités. Et c'est très intéressant parce que chacun a ses idées, chaque personne réagit d'une façon à une discussion faite parmi les camarades. Donc, on sortait souvent Étais la ensemble. seule haïtienne ou bien il y en avait d'autres? Comment était accueillie une haïtienne parmi les autres? Bon, moi, très, très gentiment, on parlait avec moi en France et je me suis intégrée très vite et au conservatoire et même en Italie, où je suis arrivée en Italie, je ne parlais pas l'italien. Et bien, je me suis adaptée tout de suite et en 3 mois, je parlais l'italien. Mais mon professeur, le Giorgio Favaretto, parlait très bien français. Donc, à mon arrivée, l'accueil était vraiment chaleureux. Et ensuite, j'ai connu d'autres professeurs parmi tous ceux qui sont au conservatoire. Mais il m'adressait à ce moment-là en italien, puisque après 5 mois, j'étais obligée de parler l'italien. Quels sont les professeurs
professeurs, les chanteurs, les musiciens qui t'ont influencé? Bon, les musiciens, surtout en France, et surtout, les deux. En France et en Italie, j'ai rencontré des grands noms dans des concerts comme Fischer Dieskau, Elisabeth Schwarzkopf. J'ai assisté à des concerts de John Sutherland aussi. Beaucoup de musiciens, aussi beaucoup de chefs d'orchestre que j'ai connus, parce que j'avais la chance, étant donné qu'au conservatoire, à l'opéra, on avait des tickets gratuits. Donc, en général, en France, dès qu'il y avait un nouvel opéra, je pouvais me présenter, avoir un ticket gratuit qui me permet d'aller au spectacle. Et avant ton retour, as-tu eu l'opportunité toi-même de faire un grand opéra? Bon, et j'ai créé un opéra qui s'appelait Farinello de Monsieur Brizio. Et créer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, créer, ça veut dire, c'est la première personne qui a joué ça, c'était moi. Parle-nous de cette œuvre que tu as créée. Oui, j'ai créé parce que le monsieur... l'opéra s'appelle Farinello. Farinello, c'est un jeune homme, tu vois, qui est un petit peu farfelu. Et il y avait justement cette jeune fille, enfin je te raconte un petit peu le sujet, cette jeune fille qui était là pour trouver, comme toujours, les opéras. Des fois, ça finit en drame, mais ça s'est terminé en vraiment... Tout le monde était gai, tout le monde était content. C'est plutôt du genre tragique. Oui, oui, genre opérette, tu vois. Et c'était très bien parce que ce monsieur était très content. Et cervelé. Oui. Et d'une jeune fille aussi. Et oui, voilà. Et puis, ce monsieur, enfin, l'auteur était très, très satisfait parce que c'était un opéra du genre de Donizetti, tu vois, Gaetano Donizetti, avec beaucoup de paroles, beaucoup de choses. Et il pensait que je n'aurais pas pu faire ça parce que j'étais pas italienne. Mais comme j'ai un conservatoire, j'ai étudié tous les opéras de Donizetti, et Don Pasquale, Les yeux d'amour et tout ça. Donc j'avais beaucoup de possibilités de faire avec beaucoup de facilité de mettre les paroles. Parce que là... C'est un opéra, combien de personnages d'abord? Il y avait six personnages. Tu as six personnages. Quand même interprété un personnage. Oui, le premier personnage. Pardon? Était-il? Non, lui, non, c'est lui qui était le personnage principal, Farinello, le ténor. Et puis moi, j'étais sa dulcinée. Voilà, et puis bon, après ça, c'est surtout, j'ai chanté, pardon? Oui, quatre autres personnages, et c'était vraiment... Mais on avait toujours pensé qu'on aurait pu reprendre, et puis entre-temps, l'auteur est mort, et puis bon, on a laissé tomber. Mais c'est la même chose... Je ne comprends pas bien. Tu dis que tu as crié... Oui, parce que c'était la première fois, c'est ce qu'on dit, le directeur, c'est-à-dire celui qui a créé l'œuvre, tu vois, celui qui a créé l'œuvre doit avoir des gens pour qu'on puisse jouer l'œuvre la première fois. Et mais c'est ça, c'était j'étais là créé, c'est ça, c'est ce qu'on dit en termes d'opéra, en termes de musical, on dit toujours que la personne a créé l'œuvre. Ceux qui font dans tous les livres qu'on parle d'opéra, on vous dit toujours voici les personnages qui ont créé l'opéra, qui ont créé l'œuvre. C'est ça, qui n'a pas été présenté nulle part encore, tu vois. Mais ça, c'est toujours agréable de pouvoir aider justement les auteurs. Et pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire de pouvoir faire ça. Et quelle était la structure de l'orchestre qui accompagnait? Oui, c'était un orchestre de chambre. C'était pas un grand orchestre. La salle n'était pas grande non plus. Tu sais, en Europe, ils ont la possibilité pour créer tous ces petits opéras-là. Et ils ont des petites salles qui ne sont pas grandes.
ils sont paganes qui pour pouvoir justement interpréter ces œuvres qui demandent seulement un peu de d'encouragement. Tu vois, et c'est ce qu'il faut. Et c'est pour cela que autour, à travers le temps, nous avons eu quand même des œuvres extraordinaires au point de vue œuvre musicale, vocale. Et c'est la seule fois où tu as joué Farinello? Oui, je l'ai joué une fois. Est-ce que tu penses le jouer, qu'on aura les chances de le voir une fois ici, en Haïti? Ah! Bon, c'est toujours possible, mais on ne sait pas. Tu es de retour en Haïti. Oui. De retour en Haïti. Est-ce que tu as rêvé à venir faire une carrière de cantatrice en Haïti même? Bon, je dois dire que avant de revenir en Haïti, c'est parce que justement, je pensais avec tout ce que j'avais fait comme études que je pouvais rester en Italie. Mais malheureusement, j'ai été malade, j'ai perdu ma voix. Tu vois, bon, ça n'a pas duré, hein? Ça a duré 3 mois, mais le médecin m'avait dit, ça faisait 12 ans que je n'étais pas parti, que je n'étais jamais revenu en Haïti, et il m'avait dit que c'est le soleil qui me manque. Et c'est ainsi, donc à ce moment-là, j'ai changé de vision. Et j'ai dit, bon, puisque je continuerai à chanter, mais comme j'ai fait des études pour pouvoir être aussi professeur, donc je pourrais donner à la jeunesse haïtienne ce que j'ai reçu. Et c'est ainsi, quand je suis retournée, je me suis arrangée et surtout faire comme vision d'essayer d'aider. Donc c'est pour cela, grâce à tous mes amis ici, commencer par tous mes accompagnateurs, Michine d'Alencourt, Michine Audin-Denis, et tout ça. Une petite pause, et oui. Yeah. Alors, maintenant, tu es de retour dans ton pays, tu changes d'horizon, tu changes de soleil, et maintenant, tu as dans ton bagage une carrière de soliste et aussi une formation d'enseignant. Donc, tu essaies aussi que tu peux. Oui, parce que mes professeurs en Italie me disaient toujours que c'était mieux parce qu'ils voyaient que j'avais aussi le don de parler aux autres. Parce que pour être pédagogue, il faut être très, très, comment dirais-je, avoir la possibilité de s'adresser aux autres. Et ça, ce n'est pas toujours facile parce que Il y a des gens, bon, ils pensent qu'il suffit de dire bonjour, au revoir et puis ça va. Non, parce que quand tu as des élèves devant toi, tu dois pouvoir enseigner d'après le tempérament de chacun. On ne peut pas enseigner à un rebelle. Oui, tu vois, oui. Et puis il y a aussi l'âge. Il y en a qui sont plus jeunes que d'autres, il y en a qui sont plus matures, il y a beaucoup, beaucoup d'aléas à travers les élèves. Et ceci, je dis toujours ça, on ne peut pas donner à un élève de 8 ans ce qu'on donne à un élève de 16, et ainsi de suite, et que comme un enfant, un jeune de 4 ans. Tu vois. Quand tu arrives maintenant en Haïti, est-ce que tu as été dépaysé ou bien tu t'es adapté au monde musical de l'époque? Bon, je n'ai pas eu vraiment une sorte de coupure, non. Parce que moi, je crois, ce qui ne m'a jamais arrêté, c'est la musique. La musique, tu vois, ça passe toujours. C'est parce que j'ai toujours dit que c'est un langage universel et pour moi, ça m'a toujours donné un bien-être. Qui as-tu rencontré à ton arrivée? Bon, à mon arrivée, j'ai commencé par rencontrer Micheline d'Alencourt. Ensuite, j'ai rencontré le groupe de cette unité. Ensuite, j'ai rencontré Micheline Laudin-Denis. Il y avait aussi, j'ai rencontré Michel Desjans avec Alzire à cette époque. Et j'ai pu m'adapter. Comme je dis, c'est la musique qui fait ça. Hein? Est-ce que tu as les musiciens que tu as rencontrés ou ceux de l'époque en Haïti, ils vivaient de leur musique? Bon, tous les noms que j'ai nommés, c'est très peu
de personnes. Parce que la musique ici, on l'a toujours dit, c'était ou bien du luxe, ou bien... bon, moi, je crois plutôt que ce n'est pas ça. Parce que la musique passe en Haïti. Elle a toujours passé. Comme je dis, la musique, elle est universelle. Elle peut passer. Mais on est un petit peu embêté parce qu'on ne trouve pas vraiment la possibilité d'élargir le cadre même. Alors, je parle de la musique classique parce qu'avec le temps, on voit l'état de notre musique. Hein. Je parle que ce soit la musique haïtienne, parce que moi aussi j'ai fait un programme haïtien, mais ça a toujours été difficile parce que on n'a pas tellement de partitions. Et ça c'est le plus gros problème de notre cher Haïti. Ma question, si la musique était un parent pauvre, donc l'État n'accordait pas d'aide au secteur musical. Est-ce qu'il y avait un conservatoire, par exemple? Bon, on a eu un conservatoire sur le temps de ma gloire qui n'a pas duré longtemps. Et pourquoi, justement? Moi, je crois que c'est parce que on n'a pas continué à essayer de canaliser les jeunes et leur donner le goût de la musique. Et alors, à ce moment, il y en a eu qui se sont formés. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se sont formés par le conservatoire à l'époque. Tu parles de l'époque de Magloire, mais tu rentres, c'est l'époque du Valier. Bon, non, après ça, vous savez, bon, on a eu beaucoup de problèmes. Et comme toujours chez nous, la politique nous donne beaucoup de problèmes de ce côté-là parce que il y a le côté, on a peur de sortir, on a un horaire un petit peu embêté, on a beaucoup de choses au point de vue sécurité, tu vois. Et au fil des ans, nous sommes un petit peu entravés, soit par les horaires, soit par tout ce qu'il y a autour. Et la musique demande énormément de travail. Alors, je parle de la musique... comme tu le sais, la musique classique, c'est-à-dire la musique que fait ta maman. Et alors, à ce moment-là, nous sommes un petit peu comme tous nos professeurs maintenant de musique classique, que ce soit Serge Vildouin, il y a beaucoup de ces professeurs qui se plaignent justement de problèmes avec le trafic, c'est difficile pour les enfants d'arriver à l'heure aux leçons et ils ont des problèmes de d'adaptation, le problème c'est pas évident, mais seulement comme la musique elle est tenace, quand quelqu'un veut faire de la musique, eh ben elle fait quand même de la musique. Donc, et plusieurs accompagnateurs. Oui, j'ai eu beaucoup d'accompagnateurs, j'ai eu Jean-Claude Desmangue, Jean-Claude, je l'ai connu depuis longtemps, je le connaissais depuis longtemps, et un jour, il m'a dit, comme on habitait tout près, lui il habite sur la route de la Boule et moi j'habite à 28, lui il habite hauteur 23, donc, il m'a demandé si je voulais venir faire de la musique avec lui. J'ai fait pendant 10 ans de la musique avec Jean-Claude Desmangue tous les dimanches. J'allais chez lui à 4 heures de l'après-midi et je chantais des fois 4 heures, 5 heures de temps. Et puis, je remontais à la maison. Et ceci, c'est ce qui m'a permis de faire beaucoup de concerts avec lui. Et on a même fait un concert avec Micheline d'Alencourt. Et ceci, on a fait Jean-Claude Desmangue, Micheline d'Alencourt et moi. Parce que justement, à cause de sécurité, j'allais répéter chez Micheline d'Alencourt le matin, tandis que je répétais le soir chez Jean-Claude, parce que c'est plus près de chez moi. Tu vois, bon, on s'arrange. Toujours des pianistes. Oui, des pianistes. La cantatrice, elle est accompagnée. Une cantatrice doit avoir quand même un accompagnateur, que ce soit une guitare ou bien un orchestre, un piano. Mais le plus souvent, et moi-même, ici, quand je suis revenue, j'avais vu que c'était beaucoup plus apte pour moi, moins difficile de me faire accompagner au piano. Et comme j'ai quand même un répertoire très large,
avec les leaders de Schubert, Schumann, Brahms, Ravel, Fauré, Debussy et tous les autres auteurs, ça m'a permis justement de faire des concerts extraordinaires avec ces auteurs français, allemands, italiens, espagnols et tout. J'ai même chanté du roumain. Est-ce que tu as chanté de l'haïtien? Oui, j'ai fait un programme haïtien. Ça n'a pas été facile parce que j'ai dû m'adresser à Claude Dauphin au Canada pour me donner certaines partitions parce que lui, vous savez qu'il a... Claude Dauphin, c'est un musicien qui a été directeur de l'Université de Québec à Montréal. Il n'est plus. Il est encore au Canada. Mais il était responsable du département musique à l'Université de Québec. C'est ainsi que j'ai été faire un concert. On a été même deux fois, Michel Dalencourt et moi, pour faire de la musique haïtienne. Et ceci, on a chanté du Ludovic Lamotte, du Justin Ellie, du Jäger Huber, bien sûr. Et puis, on a chanté du... Eddie Willy, on a chanté Robert Durand, mais tout ça... Ce sont des œuvres, bon, on a dû faire beaucoup, on a pris beaucoup de temps pour les trouver. Oui, parce que M. Dauphin les avait, pas en stock, mais bien en musée, enfin, pour ainsi dire, dans son musée, enfin, dans son département musique. Et d'ailleurs, je crois jusqu'à présent, parce que l'Université de Québec peut donner des informations sur cette musique. Qu'il a créé, il a fait une sorte de musée de la musique haïtienne, et c'est comme ça qu'il a pu, je crois que c'est au Canada que se trouve toute la musique de Carmen Bohr, par exemple. C'est quand même regrettable que ça soit de notre pays que nous ayons nos archives musicales. Oui, c'est ça. Par exemple, John Jost, que tu connais, qui depuis 40 ans, vient en Haïti pour le camp musical du Canada et d'Haïti pour l'orchestre philharmonique Sainte-Trinité, et des fois c'est lui qui trouve les pièces pour nous. Comment, à travers les musées, à travers les bibliothèques, tout ça. Maintenant avec l'internet, et il peut donner, par exemple, des renseignements au père David César, on voit ce qu'on peut faire. On essayait de récupérer et de ramasser, moi j'appelle ça, toute cette musique haïtienne que nous ne trouvons pas. Parce que la chose la plus importante, la musique haïtienne, elle est plutôt vocale, elle n'est pas écrite. Elle est orale, c'est ça. Elle est orale. Tu es dans un bain quand même musical, même si c'est beaucoup de musiciens classiques que tu rencontres, des professeurs. Mais quel public? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'abord? Quel public? Et ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres, beaucoup de salles de concert? Bon, et vous savez, après notre séisme du 12 janvier, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de salle, quand il y avait la salle Sainte-Cécile. L'école de musique Sainte-Trinité, où il y avait une salle construite depuis 1979 qui recevait tous les musiciens dès qu'ils venaient demander la salle. On essayait, c'était une salle quand même qui pouvait contenir 600 personnes. Et l'acoustique était très, très agréable. Et je crois que cette salle, moi, chaque fois maintenant que nous devons faire un concert, c'est toujours difficile de trouver une salle pour... Parce que n'oublie pas que nous avons un orchestre de cordes, orchestre de vent, etc. On a toujours d'abord le problème de l'acoustique qui est très mauvaise. La plupart, les endroits où on est... Mais je dois dire que nous sommes très aidés par ces gens-là. Et voilà, ça, c'est Cécile, des salles comme le Rex Théâtre ou bien autrefois. Bon, le Rex... Oui, mais ça, c'était des salles de cinéma. C'était pas des salles adéquates pour la oui, musique. Oui, pour la musique, parce que c'est surtout le l'acoustique qui est mauvaise. On est obligé de mettre des micros. Et c'est pas... Moi, je me rappelle, le Rex Théâtre,
Bon, c'était vraiment une salle, c'est une salle où il faut connaître l'endroit où on a le côté où entendre correctement. Et c'est monsieur Jean-Louis Barrault qui avait arrangé cette salle, le Rex Théâtre. Et le Rex Théâtre, justement, est une salle construite pour le cinéma. Et le Vous Triomphe dites qu'il aussi. l'a arrangé, c'était un architecte, c'est lui qui a dessiné la salle, Et à Jean-Louis cette unité. Barrault. Non, Jean-Louis Barrault, c'est un Français qui fait du théâtre. Il venait ici faire du théâtre avec un groupe de Français. Et c'est lui, à l'époque, et ça, c'est mes oncles et tantes qui m'ont raconté, et qu'il faisait des pièces classiques. Et donc, à ce moment-là, c'est lui qui avait un petit peu arrangé la salle pour qu'on puisse avoir une acoustique plus agréable. Parce que la salle du Rex est construite pour le cinéma. Encore une fois, c'est regrettable qu'il n'y ait pas vraiment eu au fil du temps les ingénieurs acoustiques à venir se Oui. pencher sur les besoins Parce des qu'au fait, musiciens. à l'époque, nous avions plus des salles de cinéma. Et tu sais que l'acoustique des salles de cinéma n'est pas la même qu'une salle de spectacle. Est-ce que c'est l'économie qui faisait ça? Est-ce qu'il y avait un public qui répondait aux invitations Bon, classiques? le public Les pour le enfants des gens. classique, oui. Alors moi, je mets ça sur le dos que maintenant nous avons la technologie. Le plus court chemin de trouver un public, c'est la radio. Et on peut compter sur les doigts, quand on passe de la musique classique en Haïti, dans les radios. La radio, parlons-en un petit peu. Parce La radio. que la radio, bon, je peux compter sur les doigts ce que nous avons comme musique classique. Tu vois? Et je me rappelle quand moi-même je présentais la musique à la radio nationale, je pouvais quand même. J'avais des heures où je pouvais passer la musique, mais. Attends. D'abord, c'est intéressant ce que tu dis, mais je voulais d'abord revenir sur la radio. Quel impact est-ce que tu penses que la radio a eu sur Bon, le la radio a marché apporté beaucoup, tu de vois, la musique mais. populaire La ou? musique, oui, la radio a donné énormément parce qu'il donne énormément de musique, ou bien espagnole, haïtienne, alors populaire. Et c'est comme ça d'abord que tous les mini-jazz se font connaître par la radio. Le premier endroit, ils envoient un CD à la radio et puis ils font un hit avec. Ça dépend quel genre de musique La que. radio a toujours un Ah oui, la impact radio a positif toujours dans l'impact, une puisque musique. n'oubliez pas ça, que c'était quand même les médias qui sont vraiment. C'est le plus court chemin. Et la télé aussi, la télé et la radio. Mais maintenant, avec l'Internet, ça va encore plus Encore vite. plus vite. Tu Mais vois. qu'est-ce que tu penses de notre musique maintenant, notre époque actuelle, la musique haïtienne? Bon, la musique haïtienne, bon, il y a depuis le compas, bon, elle a, enfin, je parle de la musique populaire, oui. Alors, il y a beaucoup de copies. Ça veut dire que du compas, ils ont essayé de faire autre chose. Et comme nous avons une tendance à entendre énormément la musique antillaise, la musique anglaise, et ceci nous fait arriver que nous n'avons plus vraiment un impact haïtien. Identité. Oui, une identité de musique haïtienne. Et donc, alors je parle de la musique populaire Mais à pour. part le compas, est-ce que tu penses que le mouvement Racine, par exemple, Bon, a eu le un mouvement effet? Racine, voilà, le mouvement Racine a commencé il y a, disons, 10 ans à peu Une près. vingtaine d'années. Et oui, 15, 20 ans. Mais ce qui arrive, c'est que on entend beaucoup moins. Oui, Pourquoi? exactement, c'est Parce vrai. que ceux qui ont commencé continuent, mais il n'y a pas vraiment une continuité. Tu Et vois, est-ce que tu vers. penses qu'il y a un jazz haïtien, du jazz, je ne parle pas des orchestres mini-jazz, mais Ah oui, tu du style parles du musical. côté pour le jazz, Est-ce qu'il y alors a du le jazz. jazz, du jazz Bon, créole, comme on oui, appelle? bon, on en parle beaucoup, mais je ne sais pas quel Pas vraiment impact, suivi. qu'est-ce que ça va donner avec, je ne sais pas, quelques temps encore pour voir, parce que je ne peux pas
prévoir. Je ne peux pas prévoir l'avenir parce Et qu'est-ce que que. tu penses du rap maintenant? Est-ce que c'est une musique pour Justement, toi? ou bien le rap, oui, mais c'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas, y a un rythme qui ne nous appartient pas. Tu vois, ou bien on te dit, bon, moi, souvent, les élèves d'université me disent, oh, madame, et le rap créole? Je dis, oui, c'est vrai, mais le rap créole, moi, je ne sais pas, depuis un an, je l'entends moins aussi. Tu vois, on entend certains moments, et puis ça s'arrête, et puis on se demande, qu'est-ce qui va se passer après? Et alors qu'il faut toujours nourrir ce que nous créons doit continuer à vivre, non seulement à vivre, mais aussi à pouvoir intéresser d'autres publics et d'autres visions, tout ça. Mais je crois que c'est par le fait que nous ne travaillons pas suffisamment. On revient maintenant à ton passage à la radio, puisque tu as eu une émission de radio à Radio Nationale. Quel était Oui, ton objectif de faire cette émission? eh bien, mon objectif était justement de faire une éducation musicale à travers la radio. Et il y en a eu d'autres avant toi, après toi, à travers Oui, la et radio. Alzire avait une Alzire. émission, oui, elle Radio avait Lumière. à Radio Lumière, et pendant longtemps, et ensuite, moi, enfin, j'ai fait des émissions à la Radio Nationale pendant 22 ans. Je changeais chaque 2 ans, 3 ans, je changeais le titre. J'ai fait bon, l'initiation à la musique, j'ai fait les notes inégales, j'ai fait le plus bel opéra, j'ai fait beaucoup de structures pour les émissions à la radio. Et puis, maintenant, on a l'émission de. Maintenant, on a l'émission de Michel Dalencourt à Vision 2000 qui se porte bien, puisqu'elle a déjà 10 ans qu'elle fait cette émission. Il y a d'autres, il y a l'émission de Sybille Denis, ta sœur, à Métropole, pendant aussi la même chose, 1 heure de temps. Et ceci nous permet encore de soutenir cette musique classique. Qui est mis pour moi aux oubliettes. Je pense qu'il y a un public quand même qui Oui, il y a un apprécie. public qui apprécie, qui suit les émissions, mais quand je pense que même au point de vue, pour ainsi dire, connaître, parce que comme je dis, pour connaître, il faut écouter, tu vois, et apprécier. Et ça, c'est un petit peu difficile parce que nous avons des problèmes, vous savez, des problèmes d'écoute, l'horaire, tout ça. Je ne vais pas énumérer tous les problèmes que nous avons, mais maintenant, l'Internet nous permet de faire des choses extraordinaires, mais en même temps, tu entends des gens vous dire, oh, j'avais pas de lumière, ou bien mon inverter ne marche pas. Enfin, Ne marche pas. c'est Toutes les pas, contraintes. oui, des contraintes, et ça, c'est pas de notre faute. Ce sont des choses qui arrivent, et ça, des fois, on n'est pas informé. Tu vois, mais c'est pas. Je t'entends parler beaucoup d'Internet. Est-ce que tu es branché Internet? Moi, non, je parle beaucoup d'Internet, mais je n'ai pas de ni laptop ni Internet. Pourquoi? Parce que tu sais que je sors de chez moi à 7 h du matin, je reviens à 7 h du soir. Je préfère entendre de la musique. Oui, le plus souvent, Est-ce que c'est. tu crois que l'Internet a quand même un impact Non, non, pour non. L'Internet, véhiculer ici, oui, pour l'information? véhiculer, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas de doute que ça aide énormément beaucoup de gens. Et l'Internet, et malgré que. On doit surtout essayer de suivre plus. Parce que je vois, par exemple, dans les SMS, au téléphone, maintenant avec le téléphone mobile, on a vraiment pas de problème au point de vue communication. Et même malgré ça,
y a une sorte de. Il y a des fois, tu sens qu'il y a un ralentissement. Les téléphones peuvent rester des fois toute une journée sans sonner. Pourquoi? Parce que soit ils n'ont pas suffisamment de charge, ils n'ont pas suffisamment. Tu vois, Tout est lié. oui, tout est lié. Téléphone Tout lié. est lié. C'est pour ça que j'ai dit que nous représentons seulement nous autres. Chaque humain représente un maillon. Et nous devons nous souder de tout le temps, tout le temps, tout le temps, L'implication passe. pour pouvoir avancer avec sérénité et puis beaucoup de largesse et beaucoup de générosité. Mais on doit aussi penser aux problèmes que nous avons autour de nous, qui sont nombreux, qui sont très nombreux. Ils sont liés à tout le pays. On Liés, parle oui. beaucoup de, en fait, lorsqu'on parle de la musique en général, on parle très souvent de tout est cantonné à Port-au-Prince. Est-ce que tu penses qu'il y a eu quand même une vie musicale dans les provinces? Est-ce que tu as même Bon, moi participé? personnellement, bon, j'ai été très peu en province. J'ai été, À pourquoi? Louga. Non, j'étais au CAI, j'étais au Cap-Haïtien, à Jacmel, avec l'orchestre, nous avons été. Même cette année, l'orchestre a été, il y a 6 ou 7 mois de ça, ils ont été au CAI faire des concerts, toujours, toujours. Je crois ils étaient très, très satisfaits. Mais c'est justement les infrastructures en Oui, c'est province qui sont difficiles, parce il y a des que salles aussi qui servent de je spectacle. vois par exemple, bon, ça se développe assez bien puisque nous avons des alliances françaises maintenant dans la plupart des grandes villes d'ici. On a une à Jérémie, une à Jacmel, au Cap-Haïtien, au Gonaïves, enfin, pas mal. Beaucoup d'endroits, ils ont une alliance française. Et ils ont la possibilité, même si les salles ne sont pas grandes, mais pouvoir faire Techniquement, c'est correct. oui, faire des. Bon, les salles ne sont pas grandes, mais de toute façon, si ça commence petit à petit, l'oiseau fait son nid, on arrive à faire. Et grâce justement à la technologie s'est tellement Développé. développée, donc on peut trouver énormément de possibilités. Mais comme tu sais, tu travailles à la télé, tu le sais, les problèmes que nous avons. Est-ce Et que, il faut toujours oui, chercher une solution. solution, c'est Il faut ça. la solution, elle est là, Oui. mais nous devons pouvoir mettre au service du public. Et c'est ça des Et là, on fois. parle beaucoup du public haïtien, de ton expérience haïtienne, mais est-ce que toi-même, tu as eu à te produire à l'étranger, tu as une expérience internationale? Oui. Le public, voilà, le public étranger est toujours prêt à applaudir. Ils sont très, très, très généreux parce qu'ils sont au courant, ils savent ce qu'ils ont autour d'eux, tu vois, un environnement approprié pour les concerts, parce que par exemple, que ce soit en France et en Italie, en général, quand on va à l'opéra, l'opéra est normalement trois quarts rempli, tu vois, pas complètement. Alors, sauf s'il y a des grands personnages et des grands solistes qui sont dans la distribution, donc on voit tout. Tous les gens sortir pour applaudir beaucoup d'artistes. Mais les concerts aussi. Les concerts, ils sont très, très fréquentés. Mais des fois, on se demande, ici par exemple en Haïti, on trouve que. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs interviews, que si. Nous devons réunir 2000 personnes pour un concert classique, c'est difficile. Tu Oui, vois? en effet, c'est Tu vois, 2000 comme personnes. Mais si. alors que tu peux réunir 2000 personnes pour les mini-jazz, pour les choses comme ça, mais tu peux. Je me souviens qu'il y a eu, il y a quelques années de cela, il y a eu une tentative, ou bien il y a eu un opéra, l'anglais sous, je crois, qui s'est produit ici. Est-ce que tu y avais participé? Un opéra haïtien, Oui, de Monsieur Ifares Blin. c'était Oui, Ifares Blin. c'était Ifares Blin. Oui, la musique était de Ifares. Oui.
Et il y a, disons, 4 ans, 4-5 ans, et ils avaient eu avec M. Rassoul Labuchin. Et bon, ça tu moi. Tu as participé toi-même? Non, je n'ai pas participé. J'ai simplement j'ai fait une coordination. Et ils ont fait l'opéra, je crois, dans 2 ou 3 villes de province. Et moi, j'ai parlé à ces. C'était des Hollandais qui avaient la possibilité de faire ça. Mais tu sais, c'est toujours la même chose. Et, à cette époque, il y avait beaucoup de troubles politiques. La politique vient toujours empêcher l'épanouissement de ces choses-là. Et d'accord que la politique n'influence pas positivement la musique en Haïti. Non, au contraire, ça. Oui, ça mais le problème, c'est que ça, au fait. Si tu regardes, et c'est parce que ça, c'est tellement grand les événements de politique, de la politique, parce que c'est vraiment comment dirais-je, difficile quand il y a les troubles politiques ici. Et on a un petit peu de soucis. Donc à ce moment. Déjà, le public ne sort pas, donc les musiciens eux-mêmes ils ne peuvent pas planifier les spectacles. C'est toujours à la dernière minute. Donc, à la dernière minute, on a toujours à se dire est-ce qu'on va renvoyer. Moi, je me rappelle en 1987, quand je répétais le grand air de la folie avec l'orchestre de Lucia de la Mermoud de Donizetti, et M. Racine est sorti, et il y avait des événements. Il me dit, Nicole, qu'est-ce qu'on fait? On fait le concert quand même. J'ai dit, mais oui, on n'a jamais renvoyé de concert. Oui. Et on a eu le concert, on tu vois. Et il y avait du monde, tu vois. Oui, et bon, c'est comme ça. Mais il faut surtout avoir beaucoup de volonté et faire beaucoup d'efforts pour arriver. Par exemple, moi, bon, dans tous les concerts que j'ai eu à faire, j'ai renvoyé un seul concert que j'avais à la dernière minute parce qu'il y a eu un tremblement. Il y a eu un événement dans la journée. On avait dû mettre le couvre-feu. Le couvre-feu à 7 heures du soir, le concert devait avoir lieu à 7h30 à l'Institut français. Donc j'ai dû renvoyer et c'était un concert très spécial que je devais faire seulement de la musique française. C'était le seul concert d'ailleurs. Après ça, peut-être 3 ou 4 semaines après, on a fait le concert, mais on a fait la moitié parce que j'avais dû faire partie d'un spectacle. Dis-moi, Nicole, on va terminer l'interview, mais avant je voulais te demander, ça te fait quoi de savoir de tous ces enfants, ces jeunes que tu as formés? Ça te fait quoi de savoir qu'il y en a qui ont peut-être embrassé la même carrière que toi et qui ont continué et qui continuent de briller à l'étranger? Bon, ça, mon objectif principal quand je suis retourné en Haïti, c'était de donner justement ce que j'ai reçu de mes professeurs, des pays que j'ai visités, tout ça. Donc, mes élèves que je reçois et que j'ai toujours reçus depuis que je suis revenue en Haïti m'ont donné beaucoup de satisfaction. Mais il y en a beaucoup qui sont partis, il y en a beaucoup qui sont ici, qui essaient de faire quelque chose. Et moi, je les encourage énormément parce que c'est le fait, non seulement parce que la voix est un instrument extraordinaire, mais aussi parce que cette voix nous permet de faire beaucoup de choses. Parce qu'on peut, dans le domaine musical, on peut faire beaucoup de choses, même si on n'arrive pas le niveau d'opéra comme moi, mais on peut faire toujours beaucoup de choses. Tous ces jeunes-là qui travaillent pour arriver, ça dépend, parce que comme je dis toujours, c'est le fait de leur pensée. Tu vois, et la façon d'agir et la façon de se comporter qui fait qu'ils arrivent à faire quelque chose. Et ça, je crois que c'est la chose la plus importante, d'avoir un but dans la vie. Ça veut dire avoir
la possibilité d'aller de l'avant et ne pas se décourager et ne jamais être négatif. Tu vois, mais pour ne pas être négatif, tu dois aussi avoir des gens autour de toi. Tu ne dois pas t'isoler, parce que si tu t'isoles, eh bien, tu perds tous les avantages. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, nous représentons nous autres, chaque personne représentant un maillon dans la vie. Mais si nous ne nous soudons pas avec les autres, on n'arrive à rien faire. Tu vois? Justement, maintenant, pour terminer aussi, je te remercie déjà, mais pour terminer, en parlant de l'avenir, de perspective de la musique en Haïti, je pense que nous avons des magistrats, des musiciens, nous avons des députés. Oui, notre président est musicien. Est-ce que tu penses que l'avenir, on peut aborder l'avenir de la musique en chantant? Mais bon, moi j'ai toujours dit que pour moi, chanter, c'est prier 12 fois. Il y a Saint-François d'Assise qui nous a dit que chanter, c'est prier 2 fois. Moi, il y a déjà longtemps que j'ai dit c'est prier 12 fois. Ça veut dire que la musique étant universelle, et la voix est l'instrument le plus facile à transporter, le plus facile à avoir, le plus facile à tout point de vue. Tu n'as pas besoin beaucoup pour le transporter. Il te permet d'aller n'importe où avec. Il fait partie de toi-même. Donc, je dis qu'à travers l'homme, tu vois, à travers l'humain, nous savons que l'humain lui-même est musique. Donc, avec ça, il a un état latent, la musique en lui. Donc, il peut diffuser la musique quand il veut, même s'il y en a qui vous disent « j'ai pas de voix », ben, il peut prendre un instrument et le faire. Et ça, nous ne pouvons pas empêcher à quelqu'un de faire de la musique. La musique, comme je t'ai dit, c'est quelque chose d'extraordinaire, ce qui fait partie de l'art avec un grand A, un grand R et un grand T. Mais à côté de la musique, il faut apprendre beaucoup de choses pour la comprendre, l'analyser. Car à peine entendu, les sons disparaissent. Il faut les analyser. Merci, Nicole. Ça a été une très belle interview. Je te remercie. Merci.